Yeah, these are the last mix tracks. Okay. Sas Prod, new compilation by the name Dokolari. Oh, écoutez pour tendre. Okay. French Guyana. Donc le projet Dokolari, c'est un projet où le Sas Prod sélectionne 10 jeunes afin de leur montrer un peu le monde de la musique en question, ce qui veut dire l'écriture, le studio et tout ce qui va autour, sa SACEM et autres démarches administratives. Donc le Dokolari 3, c'est vrai que c'est un projet qui a pris beaucoup d'ampleur. Donc là, cette année, ce projet-là est intercommunal. Nous avons pu élargir sur 7 communes le projet et faire une sélection sur ces 7 communes en question. Je m'appelle Lévi Jean-Simon et j'ai 20 ans. Si j'ai la chance d'être prise, ben pour moi ce sera une belle expérience avec des artistes qui ont déjà pu écrire des textes, qui ont de bonnes connaissances dans le domaine de la musique et je pense que ce sera un plus pour moi. Je crois que ce sont toutes les communes de Guyane qui sont dotées de talents extraordinaires. La seule difficulté que nous rencontrons, c'est qu'on ne se donne pas assez souvent les moyens et les occasions d'aller à leur rencontre. Honnêtement, être parrain de cette manifestation, pour moi, ça me fait grave plaisir de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, quoi. Un petit peu de mon savoir-faire, de mon expérience auprès des jeunes. Ça fait super plaisir. Cette démarche est très importante pour les gens de la Guyane parce que la musique, eh bien, c'est un passeport pour le monde entier et ce sont les ambassadeurs de la Guyane. Je suis Henri Santos de Souza, directeur général de la mairie de Montigny-Ritonnet-Grande. Nous avons très souvent des talents cachés qui ne se montrent pas tant par des moyens qu'on ne met pas en place pour leur permettre justement de mettre en avant leurs talents. Mais grâce à Dokolari, bien évidemment, c'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, de magique, tout simplement. Je veux que le monde entier découvre et apprenne, comprenne qu'en Guyane aussi, il y a des talents. Et il n'y a pas que Jayana et d'autres artistes en Guyane. Il y a des plus jeunes, tous styles confondus. Et Dokolari, c'est pour ça, c'est pour que demain, les 10 candidats qui seront retenus sur cette compilation que Sas Prod propose, eh ben soit à la même échelle, au même niveau, c'est tout le mal que je leur souhaite, que Jayana, Bego Manting. Je crois que c'est bon, mon frère. Events clash, mais si.
cité. Ouvre tes yeux, oublie tes préjugés. J'ai donné son quartier, un risque de bonheur. Je suis Alana Lua, je suis chargée de mission à la culture. Je te parle de ma cité, mon quartier a du bon qu'il est difficile de voir. Arrête de te regarder dans ce miroir. C'est vrai qu'il y a du potentiel, ça on le savait, mais ça a été très difficile de les faire venir. Entre le trac, le stress, ceux qui se disent que non, ils vont jamais y arriver. Finalement, ils sont là et on a vu ce que ma courrière valait en fait. Une seule goutte de sang, pas une seule larme, si bas. Tu m'auras tellement taillé, elle me fait l'effet d'une balle. Je ressens en chacune d'elles la profondeur de ton drame. Et grâce à elle, la valeur de chacun de tes actes. Tes larmes sont compteurs d'histoire, donc plus je le vis en une fois. Tes peines me lacèrent, elles me font l'effet d'un iséré. Quand t'es seul et que tu pleures, esprit, montre tes peurs. C'est moi l'oreille du mur. Salut, c'est Serbizis, artiste de l'association SAS Production. Donc je suis dans le Docolari parce que ça faisait un moment que je rêvais de participer au Docolari. Déjà depuis la première édition, je voulais participer en tant que candidat, mais malheureusement j'étais pas éligible parce que j'étais en cours d'enregistrement de mon premier album. Et à la troisième édition, Prophète m'a proposé d'être le tuteur et je me suis dit bah, pourquoi pas. Je m'appelle Jéwani Ravi, j'ai 19 ans, je vis à Kourou, je suis en BTS Tourisme au lycée Gaston Monnerville. Ce que je vise, c'est le niveau international. Je dirais que c'est le meilleur concours que propose la Guyane, parce que dans ce concours, on peut vraiment s'exprimer, chanter, montrer tout ce qu'on a, danser, on peut se lâcher. Donc je suis M. Topo Rinaldo, conseiller municipal délégué au quartier. Et les jeunes de Kourou ou dans l'ensemble de la Guyane me connaissent encore mieux sous le nom de Mr. Love. C'est un projet pour mettre en avant les jeunes talents de la ville de Kourou, d'où l'implication directe de la mairie. Ben, salut, c'est Ludric. Ben, là, heureux d'être avec vous là, ce soir. On est à Kourou là. Coach vocal du projet Docolari 2014. Autant que coach vocal, je compte le rapporter tout mon savoir-faire. Tout ce qu'on m'a appris, tout ce que j'ai appris, parce qu'il faut dire que je suis coach vocal par moi-même, j'ai tout appris par moi-même, je suis autodidacte. C'est surtout leur apprendre que dans la vie, ben, si on veut quelque chose, il faut se battre et que c'est avec le temps qu'on voit qu'on évolue. C'est surtout avec les critiques, accepter les critiques. Ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est peut-être ton bien demain. Et c'est ce que je compte leur apporter en fait. Le concours de Colari, je trouve que c'est une très bonne initiative du SAS Prod. C'est la première fois que j'y participe en tant que jury, mais aussi en tant que tuteur. Je pense que c'est un concours qui devrait se développer, qui devrait grandir encore, afin de toucher un plus large public dans la Guyane. J'aimerais quand même qu'ils sachent, pour ceux qui ne seront pas sélectionnés, qu'ils sachent qu'ils ont quand même du talent, qu'ils ont quand même un talent et qu'il faudrait quand même qu'ils persévèrent afin d'évoluer à côté d'un concours ou en aparté. Je pense que j'ai raté pas mal de choses dans l'initiation à la musique puisque je suis tombé dedans directement. Mais le concours de Colari, si je pouvais y participer avant d'avoir fait mon album, c'est sûr que j'y aurais participé. Ben voilà, j'y suis, je suis passée, ça s'est bien passé, enfin, c'est très triste. Voilà, mes motivations pour ce concours, ben, c'est plus l'écriture, les séances studio. Pour moi, c'est une aventure. Ben, en fait, c'est toujours avec le même plaisir que j'accepte d'être juré et intervenant pour ce genre de concours.
J'ai envie de partager avec des jeunes artistes ma passion. J'ai envie de transmettre aussi mes connaissances, mon expérience. Non, c'est pas ma première participation. Et plus ça va, et plus j'ai envie de donner, plus j'ai envie d'y participer. De ce que j'ai entendu et vu, il y a un sacré potentiel. Je suis agréablement surpris du choix que certains candidats ont fait, des choix qu'ils ont fait, des morceaux, de leurs références, de ce qu'ils écoutent. C'est très diversifié. Bon, il y a quand même une forte dominance reggae, dancehall et zouk, mais avec une certaine maîtrise et puis une façon d'aborder la musique avec passion. Et ça, j'aime beaucoup. Pour la partie, 1, 2, 3. Alors, ma fonction au sein de SASPROD, c'est médiateur socioculturel. Le concours, il démarre pour vous, ça y est, c'est officiel hein, pour les 10 candidats aujourd'hui. L'édition de cette année, je la trouve vraiment spéciale personnellement parce que déjà, avec l'élargissement sur les communes, nous avons pu avoir un panel de jeunes qui se sont présentés et ont tiré vraiment de bons éléments. Isaïna, Sullivan, Karine, Aldric, Théo, Emmanuel, Edith, Pavili, Diana et Andrew. Et de ces jeunes-là, ils vont parcourir les ateliers. Mon paca, sorti chaque week-end. Mais Pablo y a fait ça en passé. Nous savons qui t'a pris. T'as ça, ça. Oui, patate. Voilà tout le monde la Guyane chanter ça pas sa vérité. Tchao. Prends-toi ton bad boy. Prends-toi mon galère. Nettoyez ton cave. Je vais vous tirer sans boulet. Il y a ton sur ton bébé. Là, on est en train de prendre du retard. Et on part énormément de retard. Si vous sentez, honnêtement, moi je ne retiens personne. Si vous sentez que vous n'avez pas besoin de cet encadrement-là, que c'est votre passion, je pense que si vous n'en aviez pas besoin, vous ne seriez pas là aujourd'hui, d'une part. Mais il ne faudrait pas que ça change. Et j'invite vraiment ceux qui n'ont pas vu le film à aller le voir. Le premier film qui a été fait, allez le voir. Doko, maître dans sa spécialité. Je peux vous assurer que tous ceux qui sont sortis des deux précédentes éditions, il n'y en a pas un qui ne nous rencontre pas dans la rue, qui ne vient pas directement nous saluer. Moi, c'est Théo Noël, alias Turner. Je représente la commune de Roura. J'ai 13 ans et donc je suis le plus jeune de la troupe. Quand on vous demande d'avoir vos textes écrits proprement avec les différentes parties, on constate aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Mettez bien dans votre tête que nul n'est remplaçable. Je suis Herminus Emmanuel. Du Docolari 2014. J'ai été sélectionné à Matoury et mon place c'est Timilus. Vous êtes au courant qu'il y a une liste derrière. Nul n'est remplaçable. Vas-y. Je m'appelle Sullivan, mon nom d'artiste est Sayan, j'ai 16 ans, je représente la commune de Matoury. Donc Docolari, hein, c'est effectivement un concours de jeunes talents. Donc effectivement, on a repéré en vous des talents, mais ça ne veut pas dire qu'on a repéré en vous des talents que vous devez vous la péter, d'accord? Ici, les gens qui sont ici, ils sont débutants pour moi, d'accord? Il n'y a aucun artiste confirmé là, parce que si vous étiez confirmé, vous ne serez pas là. Et alors, je m'appelle Venetia Polanco, mon nom de scène c'est Mamie Polanco, je suis d'origine dominicaine, j'habite à Matoury et je représente la commune de Remire-Montjoly. Alors laissez-nous vous guider, laissez-nous vous aider et prenez le maximum que vous ayez à prendre. Hello, je m'appelle Edith, j'ai 20 ans. J'ai passé les présélections dans la commune de Matoury. Mon nom d'artiste, c'est Missy. Alors, je vous demande de redescendre, de rester humble, parce que sinon moi, si j'en vois un qui se la pète, c'est dehors aussi direct, c'est avertissement. Bonjour, je m'appelle Isaïna Atidine, j'ai 14 ans, je viens de la commune de Cayenne et mon nom d'artiste est Isaïna. Il y a des personnes qui seront plus à l'aise en studio que d'autres. Mais si vous gardez tout pour vous, vous n'êtes pas musicien, vous n'êtes pas artiste. Parce qu'il y a deux choses qui font un artiste, c'est l'humilité et le partage. Yo, je me présente, Léon Andrew,
et je viens de la commune de Montsinéry et mon blase c'est Titrofaya. Ce qu'on vous dit là aujourd'hui, c'est ce que vous disent vos parents dans votre éducation, c'est ce que vous disent vos professeurs quand vous allez en cours, c'est ce que vous disent vos patrons. Mes salutations à tous, je m'appelle Giovanni Ravli, j'ai 20 ans, j'ai été sélectionnée à Kourou. Alors, mon nom d'artiste, ça reste mon prénom et mon nom de famille. Ravli pour le prénom et Giovanni pour le nom de famille. Là, vous êtes là pour apprendre. C'est un travail, j'insiste dessus. Donc, ce travail commence par votre sérieux, mais surtout votre attitude. Ben, vous savez, le projet d'Ocolari, c'est... Ça parle de musique, mais il y a une rigueur derrière. Et à un moment donné, lorsqu'il n'y a pas la... lorsque les candidats ne montrent pas qu'ils sont sérieux, nous sommes obligés de nous séparer d'eux parce que nous avons besoin de faire évoluer le projet et de leur faire comprendre qu'il y a un sérieux dans tout métier. Alors on parle de ponctualité, on parle de respect. Et là, en l'occurrence, on a eu cette année encore un éliminé, Diana, qui a dû sortir du concours justement. Mais ça s'est mal passé avec l'équipe, elle n'a pas respecté les clauses malgré des différents avertissements. Et donc on change, et là on reprend directement une en liste de secours ou un. Bonjour, je m'appelle Mélissa Chouchou, alias Melouche, j'ai 17 ans et demi, et je suis en première année à Gaston-Monnerville. Bon, cette fois-ci, ça a été Melouche, qui est de la commune de Kourou, qui a pris sa place. Donc, elle a dû rattraper rapidement les ateliers. Après, ben, au sein de l'accompagnement de tout le monde, en fait, les tuteurs, tout le monde avait un petit coup de cœur. Une candidate de la commune de Cayenne des présélections, qui s'appelait Nollywood, tout le monde nous plaisait. Et étant sœur jumelle de Isaïna dans le concours, on a pu la voir. Alors là, on va recourir ensemble, tous ensemble. Le pied droit doit frapper au sol en même temps pour tout le monde. Ça va être notre battement par minute, notre rythme. Ta musique, tu la chantes, tu fais un refrain, un couplet. Une fois que tu as fini, celui qui suit automatiquement, il fait un refrain, un couplet. La vie à part une bosse au monde. J'ai choisi le titre « Parole de jeune » parce que je sais que la Guyane a du potentiel. Et même si on dit que la Guyane, la jeunesse guyanaise est une jeunesse qui ne respecte rien et qui est insolente, moi je sais que ma Guyane, en tout cas ma jeunesse guyanaise, est très respectueuse, en tout cas pour moi, et qu'elle a un gros potentiel. Ralenti, on recommence. Si vous connaissez son son, même sans les paroles, blablabla, blablabla, allez-y. Me duele la cabeza, me duele el corazón, observando esta vida que se va a pique hoy. Punto, coma, vuelta y tome, entiende el sonido de la calle hoy. Alors mon son il s'appelle Hoy, qui veut dire aujourd'hui. J'ai choisi un dancehall parce que j'aime les choses qui bougent. C'est un message conscient qui dit de tenir bon, de ne pas lâcher, de briser les chaînes aujourd'hui car la vie c'est du love. C'est du love, rien que c'est du love. Voilà. Donc en fait, c'est des exercices à la con. Vous pouvez commencer avec en faisant mouam, mouam, mouam. Comme les chefs d'orchestre qui font mouam, mouam, mouam. Et ça, c'est aussi l'expression corporelle. Le son va avec les gestes. Ça revient à tout ce que je vous disais concernant un certain chanteur de danse qui font des concepts avec leurs mains. Et en fait, quand ils le font comme ça avec leurs mains, ça leur permet de marquer le rythme et ça va avec l'articulation, ça va avec le... Vous voyez ? Pas comme ça, attends, tu vois pas quand on parle pas, le micro ça se tient comme ça. Pas là, ni 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 là,
Là, si tu veux faire mon film, tu peux me tenir comme ça, si tu veux, je sais pas, mais là. J'ai participé tout naturellement au Docolari parce que ben, je suis là depuis le premier, tutrice depuis le deuxième, donc c'était une évidence pour moi de faire partie de cette aventure. Donc je suis heureuse que le SAS Prod ait fait appel à moi. J'ai participé aux différents castings qu'il y avait dans les différentes communes avec les jeunes. J'ai pu voir différents talents. Effectivement, on n'a pas pu prendre tout le monde, c'était dommage, mais on a pris quand même une bonne souche et on a fait quelque chose de bien, un travail, atelier d'écriture, travail en studio. Aller en radio, enfin leur montrer le début du monde de la musique et je suis fière d'avoir participé à ça. Et là on sort d'atelier scénique, c'est le deuxième atelier et ce que je peux dire c'est que big up. Donc on a beaucoup été derrière eux, on les a beaucoup motivés, on les a beaucoup secoués, je dirais. Il faut qu'ils tournent les câbles. Arrête de croiser tes bras, je ne veux pas voir ça. C'est quoi ça? Ni ça là, ça là, tu l'as joué à la nuit là. Ça, je ne veux pas voir ça. Ça, je ne veux pas voir ça. Tu fais ce que tu veux avec ton bras, mais je ne veux pas le voir là, ni là. Vous n'êtes pas à la fin. Mais au final, tout finit bien et puis voilà, tout se passe bien. Le plus, c'est que ben il y a des talents auxquels je croyais et ils m'ont prouvé que j'ai pas eu tort. Et puis il y a des talents auxquels vraiment bon je croyais pas trop. Et ben ceux-là, avec leurs morceaux, ben ils ont été comme une révélation aussi pour moi. Alors big up. Je crois au Docolari et j'espère qu'ils m'aideront à être Union Guyane. Et je crois en l'équipe parce qu'on travaille très dur pour y arriver. Big up tous les jeunes qui ont participé, big up le SAS, big up tous les intervenants. J'espère que ce projet ira encore plus loin pour toutes les années à venir. Yassai, va leur dire. You know that! Durant le projet de Docolari, J'ai pu travailler ma rythmique parce que j'ai un problème de rythmique et je pense que par la suite j'aurai plus ce problème et je pourrai procéder à mes enregistrements sans problème. Je suis membre du SAS depuis à peu près 2009 et que j'affectionne le projet parce que ça aide les jeunes, c'est une force et en tant que musicien, que compositeur, ça me fait plaisir d'aider et faire partie de ce... Parce que pour moi c'est quand même un geste social, ça aide donc beaucoup de choses, ça développe des capacités et on voit le don des jeunes aujourd'hui, on voit que c'est pas juste la jeunesse, c'est pas juste n'importe quoi, il y a aussi de l'art dedans. Donnons-nous la main pour construire un meilleur lendemain. Si jamais on s'assemble, on sortira de l'ombre. Il n'y aura plus de frontières. On a eu tous quelques difficultés avec certains des candidats. Comme moi, avec Ravelli, il avait un petit souci de tempo, mais après ça s'est super bien passé. On a beaucoup bossé ensemble, on a beaucoup cherché à travailler. On a refait la mélodie, on a refait tout ce qu'il y a à faire pour qu'il soit vraiment à l'aise dans le morceau. Et bon, finalement, ça s'est super bien passé. Ben, Docolari, si tu veux, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur parce que déjà ça a été créé par une association que je connais depuis longtemps. SAS Prod, c'est une association avec qui on a travaillé depuis ma jeunesse, quoi, avec qui on a fait du son depuis longtemps. Prophète, Chloé et toute l'équipe qu'ils ont pu réunir sont des gens qui ont envie de donner, de faire avancer les choses et qui travaillent beaucoup pour la jeunesse guyanaise. Et finalement, bon, moi, il y a des gens qui m'ont aidé aussi dans la musique quand j'étais plus jeune. Et je pense que c'est normal de rendre l'appareil aux jeunes qui viennent derrière. C'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Donc, Docolari, pour moi, ben, c'est un projet que je kiffe parce que déjà, ça parle de musique. Ça parle aussi, si tu veux, d'humanité parce qu'on transmet quelque chose aux jeunes qu'on va rencontrer. Et puis, on crée un lien entre les différentes générations. Et c'est super important parce que ben, c'est ce qui va faire avancer le pays aussi quelque part. C'est ce qui fait avancer le milieu musical en Guyane.
participer au projet de Colari parce que pour moi c'est une bonne rampe de départ. Et plus tard aussi, j'aimerais en faire mon métier avec la musique. Donc j'ai eu beaucoup moins de travail avec Mamie et j'ai travaillé avec Timilus. Lui par contre, c'est vrai que c'est un artiste qui m'a vraiment touché dès les présélections. Je l'avais vu et tout, franchement j'avais vraiment grave kiffé ce qu'il faisait, sa voix. Et je me suis toujours dit que ce gars-là, ouais, il va pouvoir aller loin dans la musique. Et arrivé au moment de l'écriture, ben, c'était un peu plus difficile. Et il a fallu forcer les choses. Jusqu'à un soir, on est resté jusqu'à 2h du matin devant une feuille. Et voilà, il a fallu le faire écrire. Et vraiment, mon anecdote, c'est ça. C'est ce soir-là où vraiment, on a vraiment peaufiné le texte. Mais il a bossé. Je crois qu'il allait s'endormir jusqu'à 2h du matin. Il allait s'endormir sur sa feuille, quoi. Alors, big up, Timilus, pour le travail que tu as fait. Big up, Mamie. Allah, Allah, toute basure d'attaque. Dès qu'on arrive sur la place, on se lâche et on s'éclate. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu n'assimiles pas? Je vis ma jeunesse à fond, personne ne m'en empêchera. C'est comme ça que moi je vois la vie. Je connais pas l'Amérique du Sud, il y a de quoi faire. Il y a eu un second rendez-vous pour nourrir les trucs, toutes les ambiances qui se créent en Guyane. Est-ce qu'un jour, vous pourriez éventuellement, je sais pas, réaliser un documentaire sur cette jeunesse qui a envie de dire des choses et qui a pour style de musique, de reggae, de dancehall ou autre? Alors, pour que vous sachiez, j'ai été le premier réalisateur de la première édition de Do Colari. Ah bon, ben, il est haut. Ah, il est pas haut. Et aujourd'hui, je reçois d'autres artistes de la compilation. Il y a ASR. Salut ASR, il est où? Salut. Il est là, c'est lui. Donc il nous fait un petit coucou. Et puis il y a aussi Timilus, c'est ça? Ça va, Timilus? Voilà. Et puis aussi Casey. Ça bonsoir. Va, Casey? Bonsoir. Mon son est intitulé Aishan and Proud. Aishan and Proud, pourquoi? Parce que je veux parler de mes origines. Donc je suis haïtienne, donc haïtienne est fière de l'être. Parce que souvent, les jeunes en Guyane, ils ont beaucoup rabaissé. Les Haïtiens en disant oui, les Haïtiens ceci, cela. Et moi j'ai voulu prouver le contraire en disant non, nous sommes là, les Haïtiens, et voilà. Nous valons quelque chose, et voilà, Haïtienne est fière de l'être. Nobody is perfect. Everybody make mistakes. You don't know me, you cannot judge me. Hey, hey, hey. Ça c'est Casey, le concept d'Ocolari emmené par Sasprod. Vous accompagnez les jeunes à tout niveau, l'écriture. Comment s'exprimer en radio? Comment se tenir sur scène? On essaye de faire tout le packaging qu'un artiste, un jeune artiste a besoin de savoir. Parce qu'on a vu nous-mêmes les défauts, hein. On s'est vu toi-même, Bruno, tu m'as rencontré les premières fois en émission, tu m'as donné des conseils aussi. Exactement, et voilà. Bonne mémoire. Dans notre société, le mot haïtien est devenu une insulte. Donc haïtien veut dire stupide. Et moi, je cherche à dénoncer et à montrer que non, je suis haïtienne, mais je suis comme vous. Voilà, il n'y a pas de supériorité, c'est ce que je voulais montrer en fait. Voilà, on était contents, on a pu parler à la radio, vraiment à dire ce qu'on ressentait sur le camp. En fait, la radio, c'est pas vraiment compliqué. Il faut vraiment il faut juste se lâcher, pas se lâcher, mais se détendre en fait. Et tout ça sort tout seul. C'est super, mais sérieux. C'est un plaisir en fait, tout simplement. C'est vraiment une super expérience, il faut le vivre en fait. Big up énergie. Depuis la semaine dernière, c'est l'album tant attendu, l'album événement d'ailleurs. Energy, dès le début, a bien senti le coup avec la compil d'Ocolari, volume numéro 3. Le résultat de cette édition d'Ocolari 2015 m'a paru comme étant excellent
à différents niveaux. Alors bien sûr, au niveau artistique, à la première écoute, on sent qu'il y a vraiment un travail qui bénéficie de l'expérience des années passées. Ensuite, c'est à mon avis le plus complet en termes de, qualité musicale et en termes de catégorie musicale proposée, on trouve de tout. Et c'est le plus complet en termes de coaching. On sent que les coachs ont pris plaisir, ont pris le temps et ont bien fait les choses pour accompagner les jeunes dans, ce projet. Donc le résultat, il est ce qu'il est, il est efficace, il est probant. Avant de partir, faut que je réalise tous mes rêves, les gars. Et il faut également que les personnes qui sont les décideurs de ce pays puissent comprendre qu'il y a de réelles envies, de réels potentiels qui ont besoin d'un petit coup de main, pas forcément financier parce qu'on parle toujours d'argent aujourd'hui, mais on peut parler de structure, on peut parler de logistique qui pourront permettre à ce projet de perdurer. Oui. Écoute la musique parce que t'es pas sûr que c'est là que ça commence, oui. T'hésites, ok? On y va. Un, deux, trois. Lisa. Oui. Tu restes devant le micro. Et je ne fais rien du tout, j'écoute que la musique. Tu écoutes la musique, tu restes devant le micro. Et quand ça commence, parce que quand tu bouges comme ça là, quand la chanson commence, c'est là que tu t'avances, ok? D'accord. Il faut pas faire ça, il faut rester devant le micro. D'accord. Écouter la musique, justement pour que tu puisses bien entrer dans la musique. D'accord. J'ai été plutôt bien coachée car Lil Drake, en fait, il s'adaptait avec ma personnalité et avec ma voix. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ok, on y va. Alors, oui. Tu écoutes la musique, mais là, tu chantes pas, on fait comment? Ils me disent que je suis guyanaise, qu'il y a de quoi faire un malaise. Tellement mon pays est une foutaise et que je suis vraie à me taire. Ils me disent que je suis guyanaise, qu'il y a de quoi faire un malaise. Tellement mon pays est une foutaise et que je suis vraie à... Ils me disent que... Je l'ai loupé. Ils me disent que je suis guyanaise. Tellement mon pays est une foutaise. D'accord. Ils me disent que je suis guyanaise. Il y a quoi faire un malaise. Tellement. Il y a eu Lil Drake, le coach vocal aussi qui était là, qui était présent et qui m'a beaucoup aidé. Je tiens à le remercier. Mais ça s'est très très bien passé du début jusqu'à la fin. Alors, Big tune, hein? Big tune, cabaye, mon râteau. Ah ouais, tête pétée, vous dérachez, ouais, bi, tête à rôde. Je suis satisfaite de ce qu'ils m'ont apporté jusqu'à maintenant. C'est pas encore fini, l'aventure pour moi, elle fait que commencer. Vous avez fait du bon boulot, le SASPROD. J'ai rien fait. Ma participation, elle a surtout été au niveau de la technique, des enregistrements, et puis même sur le mix de certains morceaux. Moi, ça me faisait plaisir parce que ça fait un moment que j'apprécie le travail que le SAS fait avec les jeunes artistes et tout ça. Et bon, moi, je suis de loin. Et puis, bon, bah, depuis que je travaille un peu, beaucoup plus avec le SAS Prod ces derniers mois, même dernières années, bah, ça me plaisait de m'investir un petit peu plus et puis d'apporter, tu vois, ma touche. Surtout que par rapport aux éditions précédentes, il est plus orienté dancehall. Il y a beaucoup plus de morceaux dancehall, d'ailleurs, avec Jayana et King, qui est le parrain de l'événement. Donc moi, ça me plaisait de m'investir un petit peu, donner quelques conseils à ma façon. Écoute ma mélodie et si demain tu te perds, je te prendrai sous mon aile, t'indiquerai les repères. Écoute ma mélodie et si demain tu te perds, ne te prends pas la tête. Alors, mon morceau qui s'intitule Uni, qui sera présent sur la compil Docolari édition 2014. Donc j'ai décidé de l'appeler Uni parce que je trouve que la jeunesse guyanaise, elle est unie, c'est vaste, mais elle est unie, elle est forte. C'est un mélange de cultures. Et dans le texte, ben, je parle de la jeunesse guyanaise, de ses potentiels, parce que notre jeunesse, on est bourré de talent, on est rempli de potentiel. Je parle de ça, de ces jeunes qui se font rabaisser et qui,
qui ne trouvent pas leur voie, qui pensent qu'ils n'auront pas d'avenir dans le futur, mais c'est pas du tout ça en fait. Il faut juste nous accompagner, il faut juste nous aider, nous faire trouver la voie et voilà. Pas de nous prendre, de nous tenir, de nous finir, de nous avoir. Alors, c'est le mot. J'espère que le Colari nous permettra d'évoluer dans le monde musical le plus que possible. J'espère, je veux que mon pays soit fier de moi, qu'il voit que la jeunesse guyanaise est bourrée de talent, que ce soit dans la musique ou dans d'autres domaines. Et voilà. J'ai peur. Vraiment, amusez-vous, ne stressez pas. Alors la technique, quand vous êtes là-bas, là, derrière, on pense plus à rien à part à sa musique. Soit on fait le vide, soit on pense à ce qu'on va faire sur scène. Un conseil, un grand souffle quand vous montez, un grand souffle. Et on y va, franchement, parce que vous démarrez tous à bout de souffle. On démarre pas une musique à bout de souffle, sérieusement. Bonsoir, Arnaud. Je me présente Tidrou. Est-ce que vous ne cachez de pas molli là? Au fond la vie, il y a ce jazz avec. Faut nous tirer pas molli. Tirer pas molli. Lâche de tirer pas molli. Tirer pas molli. Gagner ses titres, c'est mon camouflage. Tirer pas molli. Tirer pas molli. Gagner ses titres, c'est mon camouflage. Tirer pas molli. Vous pouvez pas aller devant. Revenez ici. Hop, on passe derrière l'enceinte. Et on rejoint la ligne. C'est votre rectangle. Bien sûr, vous êtes tous au même régime. Le premier et le dernier sont habillés en même temps. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Imagine que lui, il fait un malaise et qu'il ne monte pas sur scène. Ça peut arriver. Donc du coup, on sautera. Yeah, these are the last mixed tracks. Ok. Sasprod, new compilation by the name Docolari. Oh, écoutez, vous tendez. Ok. French Guyana. Bah là je me sens chaud là, je me sens prêt, hein. J'ai vu quelques photos que la photographe a prises de la scène et tout. J'ai vu des proches, la famille, ma mère. Et ça, donc je suis vraiment chaud d'aller sur scène, hein. C'est ce que j'attends. Yeah. Bonsoir Lang, Turner, King Wolf. Yeah. Docolari. Yeah. Écoute ça. Yeah. Ok. Yeah. Écoute ma mélodie et si demain tu te perds, ne te prends pas la tête, laisse derrière tes galères. Écoute ma mélodie et si demain tu te perds, je te prendrai sous mon aile, t'indiquerai les repères. Écoute ma mélodie et si demain tu te perds, ne te prends pas la tête, laisse derrière tes galères. Écoute ma mélodie et si demain tu te perds, je te prendrai sous mon aile, t'indiquerai les repères. Turner simple rappeur, ma Guyane tatouée sur le cœur. Je représente le 973 ainsi que tous ces jeunes. Ne laissez pas mal prendre le dessus, frères et sœurs. Restons simples tels que nous le sommes, restons fashion. Certains parmi nous sont inconscients face à leur avenir s'annonçant inassuré. Notre jeunesse est trop souvent sous-estimée, dénigrée, mais sans limite gardons toujours la tête levée. N'ayons pas peur de nous manifester, jeunes, pour se faire comprendre. Certains utilisent leur gun pour se faire entendre, mais regardez ce que cela engendre. Yeah, regardez ce que cela engendre. Écoute ma mélodie et si demain tu te perds, ne te prends pas la tête. Non, laisse derrière tes galères. Il s'appelle Tidrou. Il nous vient de Montcinéry-Tonnet-Grande. Et il nous interprétera, ce soir. Tiens, Béret, pas molli. La chaîne, tiens, Béret, pas molli. Tiens, Béret, pas molli. Gardez ses tioux, ça casse mon cabot clari. Tiens, Béret, pas molli. Tiens, Béret, pas molli. Gardez ses tioux, ça casse mon cabot clari. La chaîne, tiens, Béret, pas molli. Tiens, Béret, pas molli. Gardez ses tioux, ça casse mon cabot clari. Tiens, Béret, pas molli. Tiens, Béret, pas molli.
La jeunesse se fane, baisser les bras, besoin de titoler ton respect. Mayout, il faut qu'il t'oublie qu'à pour une sorte. Si je la tous cette Iwood, Levin Batman. Yo, les Douvin Batman. Vérité qui m'a cassé, il n'a pas bouffé sans trente. Pas laissé, bien qu'on décide. Pouto, parce que à ma touche, je m'en yo les boutons, j'ai la vie de l'une des hauts débats pour que des fois que t'es là, la jeune chambérette pas molly, chambérette pas molly, gagnez cette Iwood 5 à ce moment à vos clarines, chambérette pas molly, chambérette pas molly, gagnez cette Iwood 5 à ce moment à vos clarines, la jeune chambérette pas molly. On va accueillir donc quelqu'un qui a interprété le titre Passion et c'est A.S.L. Yeah. Yeah. Du bruit pour A.S.L. C'est plus qu'une passion. Passion. C'est plus qu'un passe-temps. Plus qu'un passe-temps. J'pourrais vivre de ma musique. Music forever, music for life. C'est plus qu'une passion. Plus qu'une passion. C'est plus qu'un passe-temps. Plus qu'un passe-temps. J'pourrais vivre de la musique. Music forever, music for life. Jeune garçon de la thèse est terminé. Son but était très simple, vouloir percer. Ses potes n'arrêtaient pas de le charrier. Puisqu'il même sa propre famille le toisait. Obstiné à ne pas abandonner. Fou de la musique, il avait mis l'école de côté. Ses parents ne cessaient de le raisonner. Mais déjà lancé pour lui, personne pouvait l'arrêter. Mais son passé finit par le rattraper. Ancien dealer de cité, ses potes l'ont capté. Tôt le matin, les gueules sont venus le chercher. Ce qu'il savait pas, c'est qu'il était recherché. Non, je déstresse en chantant et en dansant. Ravli Jewani. C'est comme un rêve qui se perd quand il n'y a plus d'espoir. Pourquoi se battre entre nous-mêmes si ce n'est contre le désespoir? Tournons-nous la main pour construire un meilleur lendemain. Si jamais on s'assemble, on sortira de l'ombre. Il n'y aura plus de frontières dans ce nouveau monde. Seulement de la lumière, ne perdons pas d'une seule seconde. On ouvrira des portes parce que l'union fait la force. Et moi je crois encore en ces jeunes Guyanais qui valent de l'or. Déposons les armes, cessons de faire couler les larmes. Sauvons nos frères, mettons un terme à la guerre. Comment va être notre futur si ça progresse et que ça dure? Déposons les armes. Part d'un monde à l'envers, les années passent et ça s'empire. Chaque jour est un calvaire, des pierres se cassent de notre empire. Et tellement de frères meurent au fils. Ce sont nos mères qui poussent des cris de... Je me sens bien pour le moment, au calme. Je préfère rester tranquille dans mon coin, écouter ma musique. Et puis quand on m'appelle, j'enlève les écouteurs et puis je mets dans ma tête que voilà, quoi. Vas-y, fonce. Ça s'appelle One Life. One Life, des applaudissements donc, le fan club est par là, pour Sayan. Hey, yeah. Donner des gages, donner des sentiments qui ne peut pas défendre. Si nous qu'à rassembler nos vins, profite de temps qu'il a, je ne laisse pas qu'à chanter. Y'a qui couille notre violent van vibes. En temps, y'a nous qu'à profiter du cerveau qui va nous en dans nos lives. One cat, one life, still in fight. Fin va moins pour eux qui s'acquittent des belles plaies dans nos pays. Put your hands up in the air. If you came to realize, put your hands up in the air. That's why we love the people, right? Put your hands up in the air. If you can't realize, put your hands up in the air. Mais mon frère, dis-moi pourquoi tu veux tous se faire le mal. Trop pas que ma route est aïe, qu'il a dû l'escaper le mal. Donc s'il te plaît, dépousse ton âme. Et qu'est-ce ton temps, pourquoi les gens te regardent mal? Donc à profiter de ça, mon Dibano. On met le soleil qui nous pas que tous les jours. Pas laisser la paix tomber, sinon nous qui prend fait. On le tient, mais on le met pour payer ton vestiaire. Put your hands up, put your hands up. If you can't realize, put your hands up. À quelques heures du show, ben ça va, hein. Un peu stressé, c'est normal, mais bon. Après, le stress, je le sentirai plutôt sur scène, je pense. Mais bon, ça ira, ça ira. Mélouche. Tu m'entends? Yeah. Ils me disent que je suis guyanaise, qu'il y a de quoi faire un malaise. Tellement, mon pays est une foutaise, et je suis vouée à me taire. Ils me disent que je suis guyanaise, qu'il y a de quoi faire un malaise. Et je suis oué à me taire.
chance, peu importe les circonstances. Que je suis voué à la déchéance, que je n'ai vraiment pas d'importance. Ils me disent tout un tas de choses qui n'auront pas gain de cause. Ils me disent que je n'aurai pas ma chance vu mon pays. Que je suis guyanaise, qu'il y a de quoi faire un malaise. Le stress commence à monter. Vite là. Tout à l'heure j'étais bien et là du coup là j'ai ma fric qui tremble, ça se voit. Pli Nuka grandit du bruit. Isaïna. Isaïna. Pinouka grandit, Pinouka comprend que la vie a pas une bonne tout le monde, a pas une bonne tout le monde. On dit que la jeunesse est pleine de violence, d'insolence. Mais moi je crois en ma jeunesse guyanaise, yeah. De vulgarité, de préjugés, d'insouciance. Une jeunesse inconsciente et qui sombre. Mais ne dit-on pas que l'on apprend de ses erreurs. Nous sommes plein d'inspiration. Pinouka grandit. Qu'il a dit à part une balle sous le mans, à part une balle sous le mans. On va exploser, hein? On va exploser, on va exploser, on va exploser. Le titre c'est Ma vie. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Timilus! Oh là! Là, toute base meilleure d'attaque. Dès qu'on arrive sur la place, on se lâche et on s'éclate. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu n'assumes pas? Je vis ma jeunesse à fond, personne ne m'en empêchera. C'est comme ça que moi je vois la vie. Je suis jeune alors j'en profite. Mélange pas amis et parasites. La seule est vraie, c'est là quand les chaussures. Je confonds tout avec l'amusement. Parfois je retourne en enfance. J'suis sûr de tout et confiant. Prenne-moi par la route, j'y vais en piste. Je sais qu'un jour ou l'autre viendra mon tour. Peu m'importe qui pense, je chante pour tous ceux qui m'entourent. J'n'ai pas qu'un seul rêve à réaliser. Un temps pour travailler, un temps pour s'amuser. Je sais qu'un jour ou l'autre viendra mon tour. Peu m'importe qui pense, je chante pour tous ceux qui m'entourent. J'n'ai pas qu'un seul rêve à réaliser. Un temps pour travailler, un temps pour s'amuser. Je suis pas trop sûre, non, parce que là je suis en train de stresser à fond, mais je me contrôle. Essaye de me contrôler, en tout cas. Parce que c'est Young. Le titre Young de Nollywood ce soir. Sweet girl, I love my life and I show it. I'm young and I know it. Look into my eyes, can see the swag. Sweet girl, I love my life and I show it. Retourne-moi sur Twitter, regarde mes selfies un peu crazy. Je prends la vie du bon côté, pour m'amuser toujours au paix. Je suis en apesanteur, quand je regarde mes spectateurs vibrer sur les haut-parleurs, car je chante avec mon cœur, yeah, yeah, yeah. Sweet girl, I love my life and I show it. I'm young and I know it. Look into my eyes, can see the swag. Sweet girl, I love my life and I show it. Salut, salut, c'est Casey. Ben, je suis un peu fatiguée. C'est un challenge pour moi, un défi, parce que avec la grossesse, et franchement, ça va déchirer. Allez. I shine and proud. Casey! Nobody is perfect. Everybody make mistakes. You don't know me, you cannot judge me. Je comprends pas, non. Comment ils se permettent de faire des clichés. Je ne comprends pas. Comment ils se permettent de nous juger. Regarde-moi. Regarde-toi. Regarde-nous. Sommes-nous. Nobody is perfect. Everybody make mistakes. You
c'est enregistré, c'est je veux rentrer chez moi. J'ai peur. Je peux plus. C'est bien Mamie. Elle. Mamie donc... avec son titre. C'est pas vrai. Prendete con eso, mais bien sûr qu'on va déchirer ça. Ah oh. DJ Wallace. Prendete con eso. Hey yo, Mami Polanco, Dominicana acelera. Saspod. No te metas con la Mami Polanco, porque ella viene y arrasa con todo. Como una fiera arrebatada que ella vino para acá. Tú échate para acá que no lo vas a lamentar. Yo no me callo en la boca, yo digo lo que hay. Nadie me ensucia dos veces porque soy radical. Préndete con eso para que tú le digas que estamos enterados de la triste realidad. Me duele la cabeza, me duele el corazón, observando esta vida que se va a pique hoy. Punto, coma, vuelta y tome, entiende el sonido de la calle hoy. Me duele la cabeza, me duele el corazón, observando esta vida que se va a pique hoy. Punto, coma, vuelta y tome, entiende el sonido de la calle hoy. Sorti chaque week-end. Mais pas blou y'a fait ça en passé. Nous savons qui t'a pris. T'as qu'à ça. Pour le patate. Voilà tout le monde la Guyane chanter ça pas sa vérité. Tcho! Prends-toi ton bad boy. Prends-toi mon galde. Nettoyez ton gang. J'suis routi, il s'en voulait. Il y a son sur ton bébé. Big up tout mon galde. Pas qu'à ton enlève personne. Pas qu'à veiller. Et ça, c'est mon homme. Bonne nuit, c'est ça que je ne sais pas, voilà. Ready, lourd. Tous les week-ends, moi, c'est le cas flasse. Moi, c'est le cas baille, son nom pas tétable. Moi, c'est le cas bouger, que tout le monde, moi, c'est le cas...